chérie? Oh, je t'entends mal. Oui, je suis au travail. Non, 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 tu vas pas chez Barnabé. Est-ce qu'on est mardi? Demain, il y a école, t'as des devoirs à faire. Bah, tu t'avances. Quoi? Oui, on verra. D'accord, à tout à l'heure, chérie. Ah, Ryan, est-ce que tu peux acheter du pain en rentrant, s'il te plaît? Merci. Oui, à tout à l'heure. C'est là, madame. Oui, je sais. Ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous circulez? Voilà. Déjà de retour, madame? Oui. Lucie n'avait plus besoin de moi. Je me sens un peu fatiguée. J'ai peut-être un peu de fièvre. Je vous fais un grog? Non. Merci, Marie-Vonne. Je vais m'allonger.
Je n'osais pas te réveiller. Il est quelle heure? L'heure de dîner. Marie-Vonne m'a dit que t'étais pas bien. Ça va. Désolé pour mon retard, mais je pouvais vraiment pas faire autrement. Le conseil de surveillance s'est réuni ce soir en urgence. Ah bon? Oui. Les Suisses vont licencier. Rien qu'en France, on parle de supprimer 200 emplois. T'imagines? J'imagine que ça tombe mal, oui. Oui, je leur ai demandé de ne faire aucune déclaration avant les élections. Cette putain de rumeur qui commence à circuler, la bourse qui a réagi au quart de tour. Tu viens, on va dîner. Marie-Vonne, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Pourriez-vous nous apporter une bouteille de Château Angélus 2005? Tout de suite, monsieur. Une année saisissante. Moi, ça me suffit, merci. Eh bien, moi, ça ne me suffit pas. Tu sais ce qu'il disait Beckett, quand on est dans la merde... Jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. J'adore. Bravo, Lola. Tu me chantes? Tu prends des notes? Pas du tout, je réfléchis. On peut savoir ce que tu écris? T'inquiète, papa, ça te concerne pas. T'es quand même pas le centre du monde. Un peu, quand même. Et voilà. Merci. Marie-Vonne, le dessert, s'il vous plaît. C'est quoi, déjà? Alors, tartelette framboise et compote de pommes pour mademoiselle Lola. Un nez intense, expressif. Des tanins bien serrés sur des notes d'épices et de chocolat. Bon, bonne nuit les amoureux. Bonne nuit, ma chérie. Je voterai pour toi, mon papounet. Les yeux fermés. Et ta compote de pommes? Demain au petit-déj. Elle va mieux, non? C'est un poil mieux. Et toi, tu te sens mieux? Oui. Tu sais, ma chérie, je t'aime. Ce n'est qu'un moment, ne t'inquiète pas. Et puis, tu sais, j'ai besoin de toi. C'est pour vous, madame. Qui est-ce? Je sais pas, elle n'a pas voulu dire. Excuse-moi. Allô? C'est vous, Hélène Devallon? Oui, oui, c'est moi. Pourquoi? J'ai trouvé votre pochette avec tous vos papiers. Qui êtes-vous? Je m'appelle Alice. Alice Mercier. Je vous attends au Bowling Star. C'est un super endroit, tout au bout de l'avenue de Vénissieux. Prenez votre temps. Lucie, elle a fait une grosse crise d'angoisse, je vais devoir y aller. Je t'accompagne? Non, non, tu la connais dans ces moments-là, elle aime bien qu'on soit toutes les deux. Sympa la petite soirée en famille. Je suis désolée, je reviens vite. Bonjour. J'ai fait aussi vite que possible. Je me suis permis de regarder à l'intérieur. Je pouvais pas faire autrement. Vous avez bien fait. Je pensais qu'il était resté chez moi ou tombé au fond de la voiture. Vous pouvez vérifier, il manque rien. Mais je vous fais confiance. Installez-vous, on va prendre un verre. Je l'ai trouvé chez Monsieur Petersen. Je suis sa femme de ménage. Et c'est lui qui vous a demandé de m'appeler? Non. Je suis entrée dans sa chambre, je l'ai trouvé mort sur son lit, tout nu. Sven? Oh. C'est pas vrai. C'est pas possible. Je comprends pas quand je l'ai quitté, il allait bien. C'est vraiment terrible ce que vous me dites. Et c'est vous qui l'avez découvert. Mais vous avez fait quoi? Ben, j'ai appelé Samu. C'est normal, on a toujours un petit espoir. Et puis la police est arrivée très vite.
Heureusement pour vous, j'ai trouvé votre pochette avant. Vous savez, Sven, je le connaissais pas depuis très longtemps. Non, non, ça me regarde pas. Je vous sers quelque chose ? La même chose que madame. C'est parti. Un autre pour moi aussi, s'il te plaît. Le gin tonic, pas de soucis. Je me suis dit, on sait jamais. Cette dame, elle peut avoir des ennuis, alors j'ai rien dit à la police. Merci, vous avez bien fait. Je suis mariée, vous savez. Alors... Tout est là. Les papiers, l'argent, la jolie carte postale. Je sais pas comment vous remercier, vraiment. Tenez. Non, pas ça pour l'argent. Si, si. Il y a une petite récompense, c'est la moindre des choses. Merci, madame Deval. C'est gentil. Ça m'a fait un choc quand j'ai trouvé comme ça dans sa chambre. Encore tout chaud. J'imagine. Elle est morte de quoi ? Je crois qu'ils vont faire une autopsie. La police a trouvé de la drogue chez lui. Monsieur Peterson en prenait très souvent. Vous le saviez pas ? Ah non. Bah oui, forcément, un jour ou l'autre. Vous voulez faire une partie ? Non, non, c'est gentil, merci, je vais y aller. Ah bon ? Oui, je suis désolée, merci beaucoup. Oui, bien sûr. C'est vrai, Sainte-Foy-le-Lion, c'est pas la porte à côté. Je vais régler. Non, c'est pour moi. Bon, bah merci alors. Juste une chose. Si dans vos connaissances, quelqu'un cherche une femme de ménage, je fais aussi du repassage et de la couture. Ça, j'adore la couture. Tenez, j'ai noté mon nom et mon numéro de téléphone, on sait jamais. Mais oui, on sait jamais. Encore mille fois merci. Des personnes honnêtes comme vous, eh ben ça court pas les rues, vous savez. Je pensais pas... Que quoi ? Enfin, je veux dire, pour une fois, monsieur Peterson avait bon goût. Je vais y aller, merci encore. Je t'ai réveillée, désolée. Non, s'il te plaît, ne m'allume pas. Non, j'ai épuisé. Alors, Lucie ? Cancer. Bah, elle m'a demandé de pas t'en parler, alors tu lui dis rien, d'accord ? C'est juste que j'ai du mal à garder ça pour moi toute seule, tu comprends ? Ouais. C'est quoi, le sein ? Carcinome de l'utérus. Et ils savent pas encore si c'est opérable ou pas. Ah, saloperie. Je vais prendre rendez-vous chez Emmanuel. Non, non, Henri, s'il te plaît, t'en mêle pas. Laisse-la gérer ça à sa façon, tu la connais. L'alternance des pleins et des vides, le rythme des couleurs, c'est totalement libre. Mmh, c'est le fond de sa démarche. L'œuvre se construit avec la liberté de regard du visiteur. C'est un artiste que je suis depuis 2 ans déjà. Son œuvre ne cesse de se régénérer, de progresser, c'est passionnant. C'est très original, c'est très beau. Mmh. Bah, si vous voulez, j'ai dans la réserve une œuvre plus monumentale encore. Ah oui ? Mmh. J'aime beaucoup les proportions de celle-ci, puis c'est déjà très puissant. Et ça rentrera parfaitement dans notre salon. Je vous laisse regarder. Hein. Merci. Ça va, ma Lucie ? Oui, ça va. J'ai même très faim, figure-toi. Super. Allez, fais pas comme Lola, mange. Désolée.
Mais quoi? La terre tremble parce que j'ai un cancer, c'est ça? Regarde autour de toi, rien n'a changé. La terrine de Joseph est toujours aussi bonne. Les cerises au vinaigre d'estragon. Mmh. Allez, laisse-toi tenter, j'adore ça. Tu veux vraiment faire la chimio? Mais c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Ça ne regarde que moi. Alors arrête de faire cette tête d'enterrement et mange. J'ai dit à Henri qu'on allait passer la soirée ensemble. Ah bon? T'as revu ton Sven? Génial. Et alors? Et alors, je suis en train de devenir accro. Bah, c'est super. Et on a décidé de se revoir régulièrement. Bon, ça te donne bonne mine en tout cas. Tu trouves? Mm-hmm. Et ça m'amuse beaucoup de te servir de couverture. Ça me réchauffe. Pas très sympa pour Henri. Moi, t'es gonflé. Tu le trompes et tu vas le plaindre en plus. Dans le fond, il a qu'à mieux s'occuper de toi. Ça va. Fais ce qu'il peut. Oh, arrête de jouer les bonnes sœurs. Il y avait qu'à te faire un enfant quand vous êtes rencontrés. Si ma mémoire est bonne, c'est ce que tu désirais, non? Il avait déjà du mal avec le lin. En plus, il n'est pas fait pour avoir des enfants. Trop auto-centré. Tout ça, je peux comprendre. Ah, mais toi, t'as passé ta vie à comprendre les autres. Donc maintenant que t'as un amant qui te comble, profites-en. La vie est courte. J'en sais quelque chose. Lucie, en tout cas pour la galerie, tu peux compter sur moi. Sven, c'est vraiment un prénom qui fait rêver. Mon combat depuis toujours, vous le connaissez, la santé. La santé pour tous, la santé pour les plus humbles, la santé au meilleur prix. Je voudrais aujourd'hui transférer ce savoir-faire dans la sphère publique. Travailler, encore et toujours, pour permettre à tous le vivre mieux. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu dès le départ. Merci Benoît, Benoît Trassant, qui un soir de réveillon a été le premier à me dire « et pourquoi pas ?» Merci Benoît. Un grand merci aussi, bien sûr, à toute cette belle équipe, cette jeunesse qui s'engage et va se battre sur le terrain pour faire gagner nos idées. Merci. Bonjour Hélène. Mais bonjour Madeleine. Vous allez bien? Je savais pas que la politique vous intéressait. Mais votre mari a besoin de toutes les bonnes volontés et la mienne lui est fidèle depuis 3 décennies. Je ne connais pas encore Laurent. Voilà, c'est ma dernière pêche. HEC, Sciences Po, Master en communication, je l'ai choisi comme spin doctor. Et nous devons prendre rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça Hélène. Il va falloir communiquer un peu sur votre image. Mon image? Oui, je veux dire l'image du couple que vous formez avec Henri. Ce qu'il faut, c'est déloger Henri de Vallon de ce look de grand patron d'entreprise pharmaceutique qui lui colle un peu à la peau. Je dis n'importe quoi, on vous voit tous les deux en train de cuisiner un gratin de quenelle de crevisse. Et là-dessus, on vous filme. Et vous avez raison, c'est n'importe quoi. C'est juste un exemple. Vous inquiétez pas, on trouvera mieux, comptez sur moi. Bien, bon courage, Laurent. Enfin, excusez-moi, je le faisais que passer. Merci. Hélène, oui. Si ça vous dit de venir tracter avec nous sur les marchés, bon, je sais que c'est pas tout à fait votre genre, mais faut pas vous gêner. Hein. On a besoin de toutes les énergies. Merci, Madeleine. Je sais. Avec plaisir. Tu peux vraiment pas la blairer, Madeleine. Oh, désolée, Henri. C'est physique. Je supporte pas son regard de fouine. Elle est d'une loyauté sans faille. Ah, excuse-moi, pardon. C'est Lucie? Non, c'est Lola. On devait aller au cinéma ensemble. Et alors? Alors, elle dit qu'elle a du boulot, mais c'est une excuse pour pas sortir de la maison. Ça t'étonne? Henri, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vous attend. Oui, oui, j'arrive tout de suite. T'as un petit peu raison quand même. Dis-moi, Lucie, tu l'as vue? Oui, oui, on a déjeuné ensemble. Elle en est où? Nulle part. Elle dit que son cancer a peut-être pris racine. Tu la connais, Lucie. Elle choisit ses mots avec le plus grand soin. Et alors? Alors, ben... Je te laisse. En tout cas, c'est gentil d'être venu. C'est normal, non? Tu sais, si j'ai envie de me battre, c'est pour nous deux. Je pars tout à l'heure à Genève, je reviens demain soir. Okay. C'était très bien, ton discours.
Nicolas, c'est moi. Ouvre. Hey, t'as vraiment besoin de fermer la clé? Ça me rassure. Alors, pas de cinéma? Non, une autre fois. C'est pas grave, je te promets. Les pommes, c'est ta nouvelle marotte? J'ai vu un documentaire génial sur l'origine de la pomme. C'est où il est, le paradis terrestre? Non, dis-moi. Je vais te montrer. Il est à la frontière entre la Chine et le Kazakhstan, dans les montagnes du Tien Shan. Bien. Et si on y allait? Hein? Chiche. Il y a des forêts de pommiers sauvages 65 millions d'années. Lola, il y a 15 jours, c'était les kiwis, aujourd'hui, c'est les pommes. Demain, ça sera quoi, les graines? En attendant, tu maigris à vue d'œil. Non, c'est pas vrai. Je suis encore pesée hier. Alors? On arrête de parler de moi, s'il te plaît. D'accord, je te laisse travailler. Hélène. Faut que je me tire de cette cage. Mais pour aller où? Hein, ma chérie? Pour aller où? Madame de Vallon. Oui, Marie-Vonne? Il y a une dame qui demande à vous voir en bas. Elle dit qu'elle vous connaît très bien, Madame Mercier. Qu'est-ce que je lui dis? Bonjour. Bonjour. Comme je passais devant chez vous, je me suis dit qu'il ne tente rien de rien. Tenter quoi? Tenter le diable. Et ça veut dire quoi? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste debout? Oui, oui, ben, j'en prie. C'est drôlement beau chez vous. C'est gentil, merci. Je vous écoute. J'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. La dame qui m'a ouvert la porte, elle travaille à temps plein chez vous? Oui, oui. Je suis désolée, j'ai besoin de personne. Bien sûr. Je m'en doutais. Alice, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'argent, c'est ça? Oh, l'argent. J'ai pas que ça dans la vie. Bah alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aime beaucoup votre parfum. Écoutez, je suis désolée, je vais bientôt avoir un rendez-vous. Ça, c'est ce qu'on dit quand on va se débarrasser de quelqu'un. Le De Vallon qu'on voit sur les affiches, c'est votre mari? Il a beaucoup d'allure. Je le lui dirai. Vous lui dites tout à votre mari? Mais qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Ah, c'est drôle. J'avais une amie qui me posait la même question. Elle me disait, toi, t'as quelque chose derrière la tête. Alors je faisais exprès de me retourner et je lui disais, bah oui, derrière moi, il y a un arbre ou un mur. Elle s'appelait Marianne. J'aimais beaucoup, Marie. Écoutez, nous allons rester là. Vous savez que ce genre de chantage est puni par la loi. Quel chantage? Je suis venue parce que je suis curieuse de nature, je m'intéresse aux gens, c'est tout. J'ai du travail. Moi, j'ai perdu le mien. Oui, j'en suis désolée, mais c'est pas de ma faute. Ah, un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Vous savez que la police a conclu à une overdose? Oui, oui, c'était évident. Pourquoi vous n'avez pas appelé les secours? Parfois, à quelques minutes près, le cœur peut repartir. J'ai vu ça dans un reportage. Bien, cette conversation est terminée. Réfléchissez à ma proposition. Je suis totalement disponible. Ne me raccompagnez pas, je connais le chemin. Je vous trouve très belle. Me dîner toute seule, ça me déprime. Pourtant, j'aurais dû m'y habituer, hein, depuis le temps. Oh, je vous comprends. Mais monsieur fait ce qu'il peut. Pour moi aussi, c'est compliqué, faut pas croire. Hein. Quand monsieur vient sans prévenir avec ses collègues, je suis obligée de décongeler la dernière minute. Vous vous débrouillez très bien, Marie-Vonne. Ça sent bon.
Lapin romarin sauce moutarde. Vous avez dîné? Non, mais moi je mangerai après vous, pas de soucis. Prenez une assiette, asseyez-vous. Oh bah quand même... Pas de discussion. C'est une recette de Madame Noémie. En partant, elle m'a laissé son cahier, elle notait tout par le menu. C'était une excellente cuisinière. Ça, faut reconnaître. Pas comme moi. Oh, moi je dis, chacun ses spécialités, hein. Et moi, c'est quoi? Non, je plaisante. Vous étiez très attachée à Noémie, n'est-ce pas? Ça m'empêche pas d'être bien avec vous. Et puis, je comprends pas comment on peut tout plaquer comme ça du jour au lendemain. Son mari, sa fille, vous rendez compte? Tout ça pour aller vivre en Argentine? Au Brésil. C'est pareil. Je devrais pas dire ça, mais Madame Noémie, c'était une cavaleuse. Elle a fait beaucoup souffrir Monsieur Henri de ce point de vue. Il paraît qu'elle est heureuse. Elle s'occupe d'un restaurant à Rio, je crois. Ah ben, on n'a pas le droit d'être heureuse quand on laisse sa famille derrière soi. Heureusement que monsieur vous a rencontré, parce qu'à l'époque, je me suis fait drôlement du souci. Enfin, tout ça, c'est loin, maintenant. Mon Dieu, comme le temps passe. C'est bon, vous savez. Je peux vous dire quelque chose de personnel? Ah oui, oui, je vous en prie. Depuis quelque temps, je trouve que vous n'êtes plus la même. Bah, comment ça, plus la même? C'est pas... C'est quelque chose que je pourrais pas dire. Ne vous inquiétez pas. Rien d'important. Monsieur Devallon, bonjour, c'est Madeleine. Non, 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 tout va bien, je... Simplement, on a reçu quelque chose de bizarre à la permanence. Oui. J'ai appelé Mariani. C'est qui, Mariani? Il est contrôleur général à l'hôtel de police. Je le connais bien, on s'en occupe des services. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Petite enquête discrète. Enfin, c'est absurde. Elle a un peu raison. Elle se balade dans le parc, elle va aider Lucie à la galerie, elle fait rien de mal. Hein. Elle se la vivre un peu. Ouais, sauf que quelqu'un l'a filmé en cachette. Un admirateur? Je préfère être prudent. Demain, Hélène va s'acheter, je dis n'importe quoi, un sac Hermès. Elle se rend pas compte qu'elle est filmée. Et après, sur la toile, on peut lire « Madame Devallon semble avoir complètement oublié que 13% des Français vivent sous le seuil de pauvreté. » Non mais Hélène, tu fais comme moi. Tu t'enfermes dans ta chambre jusqu'au soir du premier tour. Tu réponds pas au téléphone, tu lis Hegel et tu comprends que c'est uniquement dans le domaine de l'esprit qu'il faut chercher le bonheur. C'est malin. Sans déconner, cure de pomme et cure de solitude. Tu nous quittes déjà? Oui, je vais peut-être même vous quitter pour de bon. Quoi? Maman a proposé de venir la rejoindre à Rio. Ta mère? Oui, ma mère, c'est un gros mot. Qu'est-ce que t'irais foutre à Rio? Je sais pas, changer d'air. Elle dit ça, mais elle le fera jamais. En plus, elle supporte pas l'avion, elle va quand même pas y aller à vélo. Henri. Je préfère la savoir toute seule, enfermée dans sa chambre, en train de manger des pommes. Ouais. Tu fais quoi demain? Demain matin, je vais à la galerie. Pourquoi? Si t'as l'impression que quelqu'un te suit dans la rue, t'hésites pas. Tu m'appelles tout de suite. Thank you.
bien dormi? Mais vous me suivez maintenant? Hélène! Vous êtes dingue, vous! Hélène! Hélène, ça va? Ça va? Vous la connaissez? Bien sûr, c'est mon amie. Appelez les secours! C'est Alice. Bougez pas. Bougez pas. Personne n'est blessé. Ça va, t'as eu de la chance. Il faut que je file. Repose-toi, t'as des affaires. Je t'ai amené des affaires. Je repasse ce soir. Merci. Merci. Foncer comme ça. C'est vraiment pas raisonnable. Vous savez que c'est moi qui ai appelé les secours. Je vous en prie, allez-vous-en. Oh, je vais pas vous embêter. Faudra demander un vase aux infirmières. Vous aimez les œillets? En tout cas, ça sent bon et ça tient longtemps. Je vous en prie, allez-vous-en. Je reste pas longtemps, rassurez-vous. J'avais deux ou trois petites questions à vous poser. J'ai mal à la tête. Pourquoi vous m'avez pas dit tout de suite que Monsieur Peterson était mort après avoir fait l'amour avec vous? C'est vrai? Quand j'y repense, vous me prenez pour une idiote. Non, je savais pas qu'il était mort, c'est la vérité. Vous saviez que Monsieur Peterson adorait filmer les femmes en douce, celles qu'il recevait chez lui? Qu'est-ce que vous racontez? Il faisait tout avec ça. Ça me gêne beaucoup de vous le montrer. Hein. Mais comme ça, vous allez vous rendre compte par vous-même. Je comprends pas que vous soyez parti comme ça sans téléphoner au SAMU. Tout a été filmé. Il était mort. C'est vrai. Remarquez, j'aurais peut-être fait la même chose à votre place. J'aurais d'abord pensé à ma réputation, à mon mari. C'est humain. Sauf que vous avez oublié votre pochette. Heureusement que je l'ai récupérée. Sinon, vous seriez bien embêté à l'heure qu'il est. Et votre mari encore plus par la même occasion. 5 000 euros, ça vous ira? Vous pouvez arrêter de parler d'argent. Vous croyez que tout s'achète dans la vie? J'ai très mal à la tête. Dites-moi ce que vous voulez. Ah, mais c'est votre parfum. Oh, j'adore. S'il vous plaît. 20 000 euros. Hein? Vous faites vraiment de la peine. Je pourrais en profiter. J'ai un enfant à élever. Ça, oui. Vous ne croyez pas? Il s'appelle Ryan. C'est comme mon fils. C'est le gamin de mon ex qui est mort dans un accident. Je pourrais quand même pas l'abandonner. Je voudrais un calme.
Vous voulez bien sortir maintenant, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Fallait me le dire. Je vais chercher l'infirmière. Vous avez très mal? Oui, ça se voit qu'elle souffre. Il faut pas pleurer comme ça, on va vous donner un antalgique. Je reviens tout de suite. Vous pouvez ramener un vase pour les œillets, s'il vous plaît. Je vais y aller. Rappelez-moi quand vous serez sortie. Avant de partir, dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez vraiment savoir ce qui me ferait plaisir? Oui. Je sais pas si je m'y prends bien. Mais j'aimerais devenir votre amie. Voilà, c'est dit. Mon ami. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps pour en reparler. Reposez-vous, Hélène. Je vais acheter votre parfum. Comme ça, on aura la même odeur. Oui, mais depuis quelque temps, je la trouve bizarre. C'est comme si elle m'échappait, elle n'est pas avec moi. Bizarre? Non. De quoi t'as peur? Qu'elle indispose tes électeurs? Arrête, je m'inquiète vraiment. Je l'aime, tu sais. Je l'aime vraiment. Et je rame. Tu veux un petit conseil? Pars avec elle un week-end. Mais vraiment avec elle, pas avec tes trois téléphones. En ce moment, c'est impossible. Bah, te plains pas alors. Je ne me plains pas, je cherche à comprendre. Hélène, j'ai toujours trouvé un peu à part. Et au début, c'est ça qui me plaisait. Même quand elle était danseuse, il y avait quelque chose de mystérieux en elle. Quelque chose qui m'échappait. Quand on était au lycée, les profs lui demandaient toujours où elle était. Ailleurs, si j'y suis, c'était Hélène. Je la sens malheureuse. Il y a un vide en elle. Un vide? Tu veux dire un manque? Non. Un vide. Hélène voulait un enfant, tu sais parfaitement. Tu te souviens qu'elle a quitté la danse et sa compagnie pour toi? Donc niveau sacrifice, c'est déjà pas mal, non? Ça fait penser à du Miro. Tu trouves pas? Ouais, c'est la même famille. Tu vends ça à combien? Pour toi, 12 000. Rien que ça. Faut que je file. Dis-moi, médicalement, t'es bien suivi? Hélène n'a pas pu tenir sa langue, c'est un peu normal, non? C'est l'Orignac qui t'opère? En principe, oui. Comment ça, en principe? Bah, je sais pas, je vais peut-être refuser l'opération. Je vais prendre contact avec une association pour le droit de mourir dans la dignité. Ça me donnera un but. Tu comprends? Oui. Je comprends que t'as la trouille. À ta place, non, t'es pas à ma place. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai appris à vivre seule. Dis pas de conneries. Si l'Orignac accepte de t'opérer, c'est que t'es opérable et c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, Marie-Vonne? Quoi? C'est n'importe quoi, j'arrive. C'est Lola. Qu'est-ce qu'elle a, Lola? Elle est partie rejoindre sa mère à Rio. Quoi, mais quand? J'en sais rien, ce matin, elle a laissé un mot, Marie-Vonne l'a trouvé dans sa chambre. Bon, elle est majeure, hein, tu sais. Ouais, je sais qu'elle est majeure, elle a laissé une procuration. Elle vote pour moi. Thank you.
J'aime beaucoup les œillets. J'avais envie de vous gâter. Alice, si vous voulez vraiment me gâter, alors il suffit de me donner ce téléphone. Et je saurai vous récompenser. D'accord? Vous aimez les gaufres? Moi, je peux pas résister. Attendez-moi sur un banc. Et puis après, si vous avez le temps, on pourra aller chercher Ryan à l'école. Ça a l'air bon. C'est délicieux. C'était plein de cochonneries, mais je fais pas attention à ça. Vous, par contre, vous prenez soin de vous. Vous êtes super. J'ai vu sur la vidéo. Vous faites de la gym? Je faisais de la danse. Ah oui? Quel genre de danse? Contemporaine. Mais pourquoi vous avez arrêté? Pardon. Je sens que j'aborde un sujet difficile. Et vous? Quoi, moi? Eh bien, vous vivez seule. Ça vous intéresse vraiment? Oui, oui. Vraiment. Oui. Ben... Les hommes, j'ai tiré un trait. Pourquoi? Vous préférez les femmes? Non. Enfin, j'ai jamais essayé. On est bien toutes les deux. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Ouais, c'est bon. Et voilà, il arrive. Coucou chérie, bonjour Barnabé. Coucou. Je te présente Hélène, c'est ma nouvelle amie. Bonjour Ryan. Vous avez quoi toi du coup? C'est pour garder la tête droite. Pourquoi? Sinon elle tombe. Hélène a eu un accident. Tiens, ton goûter. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller jouer avec Barnabé? T'as des devoirs à faire, s'il vous plaît. En plus, j'ai pas de jours. Ah, tu dis toujours ça. D'accord, mais t'as 17h30 dans la maison. Tout de suite. Salut les garçons. Je dois y aller. Ah non? Non, non, vous ne me laissez pas. Non. On va aller à la maison, on va aller boire du thé. J'habite au 9e. Vous avez de la chance, l'ascenseur vient d'être réparé. Oui, depuis que je vous connais, j'ai beaucoup de chance. Vous dites ça pour vous moquer? Moi, j'aimerais bien être votre ange gardien. Mettez-vous à l'aise. Je vais faire bouillir de l'eau. Je crois qu'il me reste des petits sablés. Ah non, non merci. Ah, c'est vrai, vous faites attention. Ah, ça me fait plaisir de vous voir là. Entre nous, j'aurais jamais cru. Femme comme vous. C'est très joli ici. Vraiment. Merci. Et ça va? Je veux dire, j'imagine que ça doit être difficile, une femme seule, avec un enfant. Ryan. Oh, je me débrouille. Je fais des bureaux. Non, c'est sûr, quand je travaillais avec Monsieur Petersen, je roulais pas sur l'or, hein, mais faut avouer. Alice, je vous ai proposé 20 000 euros. C'est une somme conséquente. Je sais. Pour l'instant, je suis pas dans le besoin. Je vais préparer le thé. Fatiguez pas. On ne trouvera pas le téléphone ici. Et puis j'ai tout mis sur une clé USB. Entre nous, c'est plus prudent. Vous savez que mon mari a d'importantes relations dans la police lyonnaise. Non, ça, j'en doute pas. En même temps, à quoi ça lui servira si tout le monde peut voir sa femme sur Internet, toute nue, en train de... Je me demande vraiment ce que je fais ici. Non, vous restez là. Lâchez-moi. Je vous jure que ça restera entre nous. Ça suffit. Alice, ça suffit. On va en parler tranquillement. Nous allons devenir amis et ce sera notre secret.
Coucou chérie. Coucou, je suis arrivée à l'heure. Oui, c'est bien. Je vais faire mes doigts. Oui, attends. Il est très fort en récitation. C'est comment déjà? Dans une fosse comme un ours? Dans une fosse comme un ours, chaque matin, je me promène, tournant, 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 toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. C'est bien. Je vais prendre un yaourt. Même deux, si tu veux. Je sais pas ce que je ferais sans lui. Vous aimez la poésie? Moi, je trouve que ça rend la vie plus belle. Paul Géraldi, vous connaissez? Non. Écoutez ça. Serre-moi contre toi. J'ai besoin de caresses. Si tu savais tout ce qui monte en moi, ce soir d'ambition, d'orgueil, de désir, de tendresse et de bonté. Mais non, tu ne peux pas savoir. C'est beau, non? Moi, à chaque fois, ça me donne envie de pleurer. Tu nous laisses, va dans ta chambre. Je crois qu'il vous aime beaucoup. Vous savez, moi, ce que j'aimerais? Non, non, Alice, je ne le sais pas. Mais surtout, dites-le-moi. Dites-le-moi clairement, comme ça on arrêtera de jouer au chat et à la souris. C'est pas très gentil de dire ça. Moi, j'aimerais m'occuper de vous. Je suis sûre que ça vous ferait le plus grand bien. Quelqu'un d'attentionné comme moi. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi. Je vous assure, vous n'aurez pas à le regretter. Tenez, détendez-vous. Vous voulez écouter un peu de musique? Excuse-moi, je te sors du lit. On s'en fout. Raconte un peu. Marie-Vonne m'a téléphoné, j'étais en plein meeting. Hélène est rentrée vers minuit, elle a fait des mélanges. Qu'est-ce qu'elle a avalé? La totale. Anxiolytique, somnifère, avec du champagne, j'imagine. Rory, tu veux qu'on appelle le SAMU? Non, surtout pas. Mais non, mais écoute, je te rappelle que je suis psychiatre et pas urgentiste. Non, mais là, elle va bien, elle est sortie d'affaires. Il faut que tu m'aides. Tu veux que j'apprenne dans ma clinique? Il faudrait qu'elle accepte. Côté tension artérielle, c'est pas terrible, hein. Qu'est-ce que t'as pris exactement? Sois gentil, Didier. Laisse-moi. Désolé, mais Henri veut que je te prenne en charge. Une petite quinzaine de jours dans ma clinique te fera le plus grand bien. Non, s'il te plaît, non. Mais si. Tu vas trouver le repos qu'il te faut. Sommeil, nature, diététique. Et entretien avec les meilleurs psys de la ville. Faut éviter les dérapages. Le moindre faux pas aujourd'hui, ça peut devenir une affaire d'État. Et le dérapage, c'est moi? Bien sûr que non. Mais il a besoin de toi à ses côtés. Hein? Et en pleine forme. Ah, ouf, j'espère que j'ai rien oublié. Hein. Alors, crème de jour, les lingettes, les amandes sans sel. Merci. Et ça, c'est des chocolats de la part de votre amie Alice, c'est ça? Deux fois de suite, elle est passée prendre de vos nouvelles. Elle a essayé de vous téléphoner, mais... Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que vous étiez partie vous reposer, mais j'ai pas dit où, hein, je connais la consigne. Merci, Marie-Vonne. Elle a l'air de bien vous aimer, cette fille. Certainement. En tout cas, je lui dirais que vous allez beaucoup mieux. Comment va Henri? Monsieur, mais il arrête pas de bouger, je vois presque plus. Au fait, Lola a téléphoné. Elle vous embrasse bien fort, elle m'a dit. Elle dit même qu'elle a pris 2 kilos.
Vous rentrez quand à la maison? Je sais pas. Je suis bien ici. Les infirmières sont adorables, je me sens protégée, je sais même plus quelle journée. Mais vendredi? Vous avez quand même pas resté ici toute votre vie. Mais pourquoi pas? Vous dites ça pour m'embêter. Monsieur, il a besoin de vous. Dans 2 semaines, on vote. Ça ferait bizarre si on ne vous voit pas à ses côtés. Le non-cumul des mandats n'est pas encore entré dans les mœurs. Eh bien moi, si je suis élu, je l'appliquerai pour me consacrer à ma tâche, pleinement à ma tâche. Je ne veux pas être un homme de dossier, un technocrate cloîtré dans son bureau. Je veux être un homme de terrain, au plus près des habitants. Je veux être à votre écoute. D'ailleurs, dans quelques minutes, je ferai circuler un micro parmi vous pour avoir une discussion ouverte. Pas de sujet tabou. Vous parlerez de ce qui vous préoccupe, le chômage, les impôts, le climat, l'éducation, la santé. Sur la santé, vous connaissez mes convictions. Recrutez plus d'infirmières pour l'hôpital et pour les maisons de retraite. Libérez le numerus clausus des médecins. Encadrez le prix des médicaments pour les traitements vitaux. Voilà ce que je ferai. Reviens progressivement sur Terre, Hélène. Progressivement. On est d'accord. Bien, c'est Didier. T'as vu comme elle a meilleure mine? Ça va aller. La belle Hélène, 1999. Cuvée mythique, notée 100 sur 100 sur le guide Barker. À ton retour, ma chérie. C'est gentil. Gentil, c'est pas le mot, d'ailleurs, je suis pas quelqu'un de gentil. Mais parfois, il m'arrive d'être délicat. C'est vrai, ça t'arrive. Heureusement. Dis-moi, Didier, t'as mis sous Prozac pendant combien de temps? 3 mois, pourquoi? Tu me trouves ramollo? C'est normal. Qu'est-ce que tu comptes faire de tes journées? Pas question que tu retournes à la galerie. Dormir, dormir, dormir. Arrête. J'ai plein de projets pour nous. Pour commencer, tu vas venir m'aider à la permanence. Tu seras mon assistante. Non, mieux, ma femme. Il est temps qu'on ouvre ensemble. Hélène? Quel plaisir de vous voir, je vous trouve superbe. Visiblement, ce petit séjour vous a fait le plus grand bien. Merci, madame. Et Henri m'a dit que vous veniez pour nous aider un petit peu? Peut-être. Il est là?
Oui, il est encore en réunion, mais c'est bientôt la fin. Ensuite, il a un rendez-vous à l'extérieur. Et après l'extérieur? Eh bien, il est prévu que vous dîniez à la brasserie Georges, tous les deux. Et un photographe de l'Urmag viendra vers 22h. Vous voulez boire quelque chose? Hélène? Hélène? Vous voulez boire quelque chose? Voici la copie du dossier de presse. Voilà. Ah, d'accord, merci. Vous en ferez une également pour Laurent. Très bien. Ah, je vous présente Alice Mercier, notre dernière recrue. Une perle. Madame De Vallon, qui est l'heureuse épouse de notre futur député. Enchantée. Ça ne va pas, Hélène? Vous voulez un verre d'eau? C'est vrai, il fait très chaud aujourd'hui. C'est étouffant. Tenez, madame, buvez. Ma chérie, ça fait plaisir que tu sois venue. Ça va? Elle a eu un petit coup de chaud. Ça va bien. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Henri, je peux te parler deux minutes? Mais bien sûr. Alice, allez me chercher ma voiture en parking, s'il vous plaît. Bien sûr. Deuxième sous-sol, place 243. Très bien. Attendez, je vous donne de quoi payer. Oh, laissez Monsieur De Vallon, on verra ça plus tard. Je viens, ma chérie. Ce soir, à la brasserie, je te raconterai ton programme. Quel programme? Laurent a listé pour deux radios, Radio Espace et Radio Lyon. Et nous, on fera un duo sur France 3 Région. C'est jouable? Non. Quoi non? Je suis encore fragile, non? C'est pas en restant cloîtré dans ta chambre que ça ira mieux dans ta tête. Est-ce que tu le sais, toi, ce qui se passe dans ma tête? Calme-toi. Tu veux lui donner son âge? Vu ton enthousiasme, t'es en tête. Mieux. Laurent dit que la dynamique est irréversible. Mais bon, ne chantons pas victoire. Raconte-moi, elle vient d'où cette Alice? Pile poil la cible des Français qui morflent. Elle touche le RSA avec une majoration pour un enfant à charge, même pas 600 euros par mois. Pas de qualification, la galère au quotidien. Il y a une semaine, elle est au bord du suicide. Quand Laurent l'a vue, il a sauté au plafond. Une femme qui vient nous raconter que sa vie n'a plus de sens et qui veut nous aider parce qu'elle croit profondément en notre projet politique. Ah mais t'imagines l'aubaine. Décidément, t'es gâté. Oui, Alice! Entrez. J'ai garé votre voiture juste en face. C'est gentil, Alice, merci. Je vous dois combien pour le parking? 12 euros. Allez, c'est bon. Ah, je... C'est la moindre des choses. Avec tout ce que vous faites, vous n'oubliez pas dimanche prochain. Je compte sur vous. Bien sûr, j'oublie pas. Je pourrais emmener Ryan? Évidemment. La journée s'annonce superbe. Merci, monsieur De Vallon. Ici, tout le monde m'appelle Henri. Merci, Henri. Ryan, c'est le gamin qu'elle a élevé toute seule, et en plus, c'est même pas son fils. Il y a quoi, dimanche? Je fais une petite fiesta à la maison, avec quelques amis politiques et mon équipe de campagne, la dernière ligne droite. Première nouvelle. Tu dis à Lucie de venir si elle est pas en chimio, hein? Là, faut que j'y aille. Tu fais quoi, maintenant? J'aimerais faire la connaissance d'Alice. Ah oui? C'est une très bonne idée. Alice? Oui? Ma femme voudrait vous parler. Bien sûr. Fermez la porte. Vous m'avez beaucoup manqué. Je me faisais du souci pour vous. Marie-Vanne vous a donné mes chocolats. Vous pensez vraiment que vous allez vous en tirer comme ça? J'ai pas trouvé de travail. Votre mari m'a tendu la main, c'est quelqu'un de très généreux. Oui? Mais quand il sera la vérité, alors là, vous allez sûrement le trouver moins généreux. Et là, Alice, vous ne me laissez plus le choix. Soyez raisonnable. Il ne mérite pas ça. Arrêtez d'avoir peur de moi, Hélène. Voilà, madame De Vallon. Vous connaissez tout de ma vie. C'est-à-dire pas grand-chose. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone. Je vous laisse. J'ai du travail. Si on regarde de plus près les intentions de droite, on s'aperçoit que les électeurs potentiels d'Henri, la niche qui correspond à notre cœur de cible, est définitivement fixée. Dès le début, ils ont voulu voter pour lui. Messieurs, dames, c'est un point de. Il faut dire qu'il passe très bien dans les médias. Je l'ai vu l'autre soir à la télévision, il est très nettement tué. Oui. Tu peux parler à ça? Non.
Paris, elle est bon. Pour l'instant, on n'est pas là, mais c'est sûr que si elle me propose... Alice, vous en avez assez fait comme ça. Marie-Don va prendre le relais. Je nomme, s'il vous plaît, une coupe de champagne pour madame. Oh, merci. Je vous présente Lucie, la meilleure amie de ma femme. Enchantée. Bonjour. Enchantée. Bien, on trinque à votre succès ? Oh, en politique, rien n'est jamais gagné d'avance. Santé. Allez. Être entouré de gens de confiance, pour moi, c'est une règle d'or. Excusez-moi. C'est Jean-Pierre Crossard, le président du conseil départemental, et sa femme. Ils sont pas du même bord, mais ils s'entendent bien. Allez-vous, madame, ça va ? Voilà, vous êtes nouvelle dans la famille. Ce sont des gens très généreux. Vous savez ce que je faisais avant ? Non. Déménage. Hélène vous a pas parlé, moi ? Pas encore, mais j'ai passé une période un petit peu compliquée. Ah oui, oui, c'est vrai. Hélène m'en a parlé. Oui, on a beaucoup partagé, elle et moi. Oh, c'est Ryan. Pardon, c'est mon fils. C'est votre fils, Moi, je vous laisse, j'ai très faim. À plus tard. Je vais pas tarder, je fatigue un peu. Ah, j'aimerais bien entendre. À savoir comme tous ces gens m'emmerdent. Oh, madame de Vallon. Voyons, un peu de tenue. Dans une semaine, ton mari sera député. Et qui sait, un jour ministre. En tout cas, elle est marrante, sa nouvelle assistante. Ça tranche avec le reste, tu trouves pas ? Oui, c'est vrai, t'as raison. Apparemment, vous êtes devenus très proches. Ah non, pas vraiment. Tu m'excuses ? Entendu de là-bas, par ton bonjour. Ça va, t'as pas froid ? Non, ça va. T'es bien, elle est bonne ? Oui, trop bien. Bien ? Oui. Bien. Vert. Ça va, Hélène ? C'est une journée magnifique. Allez, viens. Tiens, je te prie une tomate cerise. Allez, viens. Oh, mais non, j'ai pas froid. Elle s'est dégagée ! Aidez-moi ! Ça va ? Pas besoin d'appeler des pompiers. Ça va, Alice ? T'inquiète pas, mon grand. Je m'occupe de ta maman, tout va bien. Je suis désolée. Je sais pas nager. Marie-Yvonne, installez Alice dans la chambre d'amis et trouvez-lui quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Faites ce que je vous dis. Je vais rentrer. Non, 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 pas question. Entrez. Ça va? J'ai failli mourir, mais ça va. Depuis quelque temps, Hélène ne va pas bien du tout. Il lui arrive d'avoir des gestes, disons, agressifs. D'ailleurs, ça m'inquiète beaucoup. J'ai honte de m'être donné en spectacle devant vos amis. C'est ridicule. Vous n'y êtes pour rien. Je ne sais pas ce que ma femme est en train de s'imaginer. Moi, je te vine un peu. Je crois que je prends trop de place. Ça ne lui plaît pas. Je vais essayer de la raisonner. Le plus simple, c'est que je m'en aille. Il n'en est pas question. Une seconde. Alice. Après tout, c'est vous qui décidez. Hélène, j'aimerais tellement l'aider. J'aime beaucoup votre femme. Marie-Yvonne va s'absenter une quinzaine de jours. Vous accepteriez de... la remplacer ? Moitié à la maison, moitié à la permanence. Il faut qu'Hélène soit d'accord. Je viens de parler avec Alice, elle ne dira rien. Maintenant, je veux savoir pourquoi tu l'as poussée. Ne me mens pas, je t'ai vu. Je suis peut-être pas le seul, alors ? Qu'est-ce que tu crois ? Que j'ai profité de ton séjour en clinique pour coucher avec elle ? C'est ça ton problème ? Hélène, ne fous pas tout en l'air, ma chérie.
projet à Victoire. J'ai besoin de savoir que t'es à côté de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Bon, en attendant le premier tour, tu restes à la maison. M'oblige pas à t'enfermer avec les... Tu sais que Marivonne part 15 jours voir sa mère. J'ai demandé à Alice de la remplacer. Non. Non. Tu as besoin de quelqu'un pour tenir la maison. Je dois partir 2 jours à Paris. Je veux pas te savoir toute seule dans ton... Alors je veux retourner chez Rosanès. Faut que tu te reprennes, Hélène. Et on va tous t'aider. Surtout qu'elle prenne bien ses médicaments, je compte sur vous. Tout se passera bien, vous pouvez compter sur moi. En cas de souci, vous appelez le docteur Rosanès. Je vous ai laissé les coordonnées sur mon bureau. Je vais aller clé à la maison. Bonne route, Henri. Bonne campagne. Merci, Alice. Tellement bien, j'ai pas envie de bouger. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas manger avec nous, Hélène? Parce qu'elle est malade. Elle a quoi comme maladie? C'est dans sa tête. Elle est folle? T'as le son. Parce qu'on n'est pas en vacances. Le tiers-état est le seul ordre à payer de lourds impôts pour financer les guerres du royaume, tandis que le clergé et les nobles ne payent rien. La situation du peuple ne cesse de s'aggraver, le plongeant dans la misère et la famine, tandis que le clergé et les nobles vivent dans l'opulence. C'est bien? Fastoche. Bon, c'est quoi les serres? Mange déjà, tu verras après. Hélène, je vous apporte votre déjeuner. J'ai préparé un risotto aux cèpes. Vous voulez pas m'ouvrir ? Dommage, j'avais des choses importantes à vous dire. Faut qu'on fasse la paix. La meilleure façon de la faire, c'est que je vous rende cette clé USB. Comme ça, vous n'aurez plus aucune raison de vous méfier de moi. Tout sera effacé. On oubliera tout et on recommencera à zéro.
cuisiné un délicieux repas, tout va bien. Maman, on a une bonne nouvelle. Je rentre demain, tu sais ce que je me suis dit? Après les élections, on partira tous les deux. Ah oui? Et où ça? Où tu voudras, un petit voyage amoureux. On l'a bien mérité. Je sais que je suis pas là souvent, mais ça va changer. Oui? J'arrive tout de suite. Bon, il faut que je te laisse, l'émission débute dans 2 minutes. Tu me regardes, hein? Bien sûr, je regarde. L'avenir de la France se situe du côté de l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, c'est l'un de vos slogans de campagne favoris. Ça parle tout seul, vous trouvez pas? Les Anglais opposent sense et sensibility. Moi, je les réunis. Vous savez, c'est une démarche qui vient de loin chez moi. C'est un chemin de vie, c'est une éthique. Depuis toujours, je me bats pour rendre la santé accessible à tous. Travailler pour permettre à tous le vivre mieux. Comme un ours, chaque matin, je me promène. Tournons, 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 toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Bravo. Attends, c'est pas fini. Dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Avec les clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne, dans la cellule d'à côté, on y fait couler la fontaine. Bravo. Tu m'impressionnes, mon grand. C'est formidable. Bon, il est tard, Ryan. On se retrouve demain au petit déjeuner. Non, on ne discute pas. Bonne nuit. Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit. Telle réplisée. Il est heureux d'être ici. Il se sent rassuré, c'est essentiel à son âge. Pas qu'à son âge. On termine? Non, merci. Je vais être pompette. Vous savez comment on apprécie un grand vin? Non, pas du tout. Vous savez, j'ai pas eu beaucoup d'éducation. C'est pas une question d'éducation, c'est une question de sensualité. Faut avoir tous vos sens en éveil. La vue, l'odorat, le goût. Regardez votre verre. Que voyez-vous? Un liquide rouge? Pas simplement. Regardez mieux. Vous avez raison. C'est un rouge sombre avec un éclat de violet. Et même un peu de noir, non? Ouais. Que sentez-vous? Ça chatouille. Si je vous dis que ça sent le raisin, vous allez vous moquer. Non. Ça sent comme la forêt. Le sous-bois. Oui. Ça sent la griotte. Hein? Ça sent la griotte? Oui. Le vin est un rapport sensuel à l'existence. Allez-y, goûtez-le. Lentement. Il n'y a plus de lait dans le frigo. Ah zut, c'est moi. Je l'ai utilisé pour préparer les îles flottantes. C'est pas grave. Non, attendez, Hélène, je vais aller vous en acheter. C'est plus possible. On ne peut pas la laisser dans cet état. Je suis entièrement d'accord avec vous. Depuis qu'elle a décidé de faire chambre à part, je suis totalement dépassé. Pourtant, j'ai tout essayé. Les cures de repos, l'impliquer dans ma campagne, projet de voyage, rien à faire. Elle dégringole. J'ai rien vu venir. Je sais ce que j'ai à faire. C'est moi. Je viens vous dire au revoir. Vous ne me reverrez plus, je pars ce soir. Vous m'entendez? Vous ne me verrez plus.
Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. Ça me fait trop peine. Je l'ai posé devant la porte. Vous en avez combien comme ça? Dites-moi. C'est la seule. J'aimerais tellement vous croire. C'est la vérité, vous me prenez pour qui? J'ai pas voulu tout ça. Mais vous vouliez quoi? Je peux enfin savoir, Alice. Vous vouliez quoi? Mais je vous l'ai déjà dit, je voulais devenir votre amie. Juste votre amie. J'ai tout abîmé. J'abîme toujours tout dans ma vie. Vous partez? Oui. Maintenant? Oui. Vraiment? Oui. Je vais chercher rien et je vais prendre mes affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Hélène? Qu'est-ce qui s'est passé? Henri, j'ai rien fait. C'est pas moi, jamais j'aurais pu faire ça. C'est pas moi, j'ai pas fait ça. C'est pour un accident qui s'est passé chez moi. Quelqu'un est tombé dans l'escalier. Non, non. Elle n'a pas repris connaissance. Six chemins des grands tilleuls, Sainte-Foy-les-Lyons. Je ne quitte pas. Tout de là. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est loin. Et voilà, et madame, vous êtes servie. Je vais faire des courses, vous avez besoin de quelque chose? Tout est parfait. Tu viens jouer? À nous deux, on va pas tenir. À moitié, oui. Je sers le thé? Oui, yes, a nice cup of tea, please. Henri, tu veux une tasse de thé? Non, merci, chérie. Monsieur le député travaille. J'ai 3 amendements à défendre pour mardi. Attends un petit pain au chocolat. Et tu pourrais dire merci. Merci. C'est incroyable, cette capacité d'adaptation qu'ont les enfants. Ryan est bien avec nous. Il le mérite. C'est formidable ce que vous avez fait pour lui. Délicieux ce thé. Bon, je vais me baigner. Oh, tu mets un peu de crème sur le dos? Mais oui, mon amour. Tout à l'heure. Mais je vais tout savoir. Je suis sûre qu'il y a une deuxième clé USB. On oublie ?